Salut à tous, nous sommes le mercredi 19 février 2020. Vous regardez la revue de presse sur JDC Plus TV. Ouvrons cette édition avec les informations sur l'après-massacre de Gabour. 4 jours après cet incident condamné par plusieurs, le gouvernement camerounais donne, selon lui, la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Cette vérité est relayée par Cameroun Tribune qui indique que face à la presse hier mardi 18 février 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, est revenu sur les circonstances du décès de 5 civils dans la localité de Gabour, département du Dongamantou, dans le nord-ouest du pays. Cameroun Tribune écrit que d'après le point de presse du ministre, l'on est bien loin des massacres annoncés par les réseaux sociaux et certains médias qui mettent en cause les forces de défense et de sécurité. L'intégralité de ce point de presse est à retrouver en page 2 à 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mercredi 19 février 2020. Nous poursuivons notre revue de presse avec Repères, selon qui les accusations portées à l'endroit de l'armée camerounaise au sujet d'un prétendu massacre de la population à Gabour n'est qu'une attaque sécessionniste. D'après le journal de Régine Touna, avec son communiqué de presse rendu public le lundi 17 février, le ministre de la Défense a recadré l'Organisation des Nations Unies qui continue d'évoquer un nombre de victimes contraire à celui du gouvernement, tel que vous pourrez le constater en page 3 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi. D'après Le Jour, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a demandé qu'une enquête soit menée pour que les coupables répondent de leurs actes. Cette demande fait l'objet d'un communiqué du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cette information est relayée par le quotidien Le Messager, selon qui le pouvoir de Yaoundé serait sous pression après que cette enquête indépendante et impartiale ait été demandée par l'ONU. Autre quotidien, autre information à la une de ce jour, le journal Mutation a porté un intérêt particulier à la Journée internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars, et notamment à l'élément qui, pour beaucoup, fait cette journée, le pagne. D'après le journal, à 3 semaines de la célébration de cette journée, cette étoffe tant prisée est peu disponible dans les points de vente agréés et hors de prix dans le marché noir. Pour tenter de comprendre ce phénomène qui n'est pas à sa première ni deuxième année d'après Mutation, la rédaction a mené une enquête à retrouver en page 5 de son édition parue en kiosque ce mercredi 19 février 2020. Toujours parlant de cette journée dédiée aux femmes, le quotidien Le Messager présente le marché noir du pain du 8 mars. Tout savoir sur ce marché à la page 5 du quotidien Le Messager, paru en kiosque ce mercredi 19 février 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.